Alors, tout cela peut-il recommencer? Derrière ce titre brutal, bien sûr, de cet épisode, n'y a-t-il pas une vérité? Que se passe-t-il en Bosnie-Herzégovine? Que se passe-t-il en République serbe de Bosnie? Mais que se passe-t-il également avec les démocrates croates qui veulent également partir de la Fédération de Bosnie. République de Bosnie-Herzégovine, qui, je vous le rappelle, est formée de deux entités, la République serbe de Bosnie et de l'autre, l'entité croato-bosniaque. Mais ne faut-il pas chercher les causes d'une possible partition de la Bosnie-Herzégovine dans les traités de Dayton, qui sont de mauvais traités, qu'ils soient serbes, bosniaques ou croates, mais tous, je dis bien tous, le disent. En fait, après les accords de Dayton, les protagonistes du processus de paix ont décidé de diviser notre pays en deux entités, une qu'on appelle la République serbe et l'autre qu'on appelle la Fédération de la Bosnie-Herzégovine. Derrière cet immeuble, juste à 200 mètres d'ici, on a l'entité qu'on appelle la République serbe en Bosnie-Herzégovine. L'agresseur a reçu comme un cadeau. C'est absurde. C'est absurde parce qu'on parle de territoire qui a été ethniquement nettoyé. C'est absurde. Donc, un pays qui a toujours eu ce caractère multiculturel, qui a défendu son pluralisme identitaire, ne peut pas fonctionner comme ça. Ça va exploser un jour ou l'autre. Donc, problème économique, crise du tourisme ravagée par le Covid, mais surtout, une histoire tellement différente que l'on aille chez les Croates, chez les Serbes ou chez les Bosniaques, tellement différente. Alors, dans les écoles, une partition existe déjà. Voilà ce que je voyais quand je suis revenu à Sarajevo. Mi sad prava dobro da nas svrstaju turve, getoizacija i tako to. Nous, on n'a pas
un ministère d'instruction et d'éducation au niveau de, central, au niveau de la Bosnie-Herzégovine. On a 13 ministères d'instruction au niveau cantonal, au niveau de l'entité qu'on appelle fédérale. Le programme scolaire sur l'histoire utilise des livres différents. On apprend, on nous enseigne trois histoires différentes, c'est-à-dire interprétation serbe de l'histoire, interprétation croate de notre histoire et interprétation bosniaque de notre histoire bosnienne, je dirais. Donc, chez nous, il existe un phénomène très particulier et très absurde à la fois, qu'on appelle deux écoles sous le même toit. Par exemple, on a des écoles en plusieurs villages en Bosnie centrale, où on a des communautés où vivent les Bosniaques et les Croates ensemble. Et on a des écoles où les enfants bosniaques ont une entrée séparée pour leur classe et on a une entrée pour les enfants croates pour leur classe. Les professeurs sont différents, le programme est complètement différent. C'est de la folie. Je ne sais pas comment interpréter ce phénomène. C'est une ségrégation et l'objectif final est tenir nos enfants dans l'ignorance. C'est tout. C'est contre ce que vous êtes, c'est contre quoi vous vous êtes battu. On est bien d'accord. On pourrait dire. Donc on pourrait dire même que vous vous êtes battu pour rien. On pourrait le dire, oui. On pourrait le dire. Je ne sais pas quoi d'autre dire. Nos beaux intellectuels tels Bernard-Henri Lévy, l'Occident en général, n'ont vu dans l'histoire de la Bosnie-Herzégovine que du noir et du blanc. Les bons et les méchants. Cette lecture de l'histoire en noir et blanc diabolise et on ne peut pas aller vers la paix dans une diabolisation pareille. C'est impossible. L'économie est complètement mise à bas, je vous l'ai dit, le tourisme est mis à bas par le Covid, mais pas seulement, également par la corruption. Parce que comment une industrie peut-elle s'implanter, sachant qu'il y a une corruption absolument infernale? Non mais regardez comment on dort sur le béton, dans le froid, depuis 22 jours. On est des vétérans, on a fait toute la guerre depuis le début. On a versé notre sang pour cet état. Les politiques en ont profité pour s'enrichir pendant et après la guerre. Ils en profitent, même encore aujourd'hui, 20 ans après. Ils conduisent des voitures les plus chères d'Europe, alors que leur peuple n'a pas de quoi manger. On est tous là réunis, Serbes, Croates, Bosniaques, pour se battre contre l'injustice. Nous voulons notre Dieu. Et Bosniaques, et Serbes, et Hrvates. La première chose que l'on voit dans les statistiques de la COFAS, c'est corruption. Vous voyez, depuis la fin de la guerre, ce sont les mêmes personnes au pouvoir. Il ne s'agit pas que de notre retraite.
Le système de l'État n'est pas bon. Il n'est pas bon. Ni pour un retraité, ni pour un ouvrier, ni pour un ancien combattant, ni pour personne. C'est la corruption qui règne ici. Et le crime. Oui, le crime. We fight for freedom, but what's happened now? Wrong people on right places. Wrong people make money, not right people. And Goran is still my friend. Nothing can separate us. Even political. Fucking politicians. They made from these people here, poor people. But what are we gonna do? We live together like before. Everybody lose, nobody win, except criminals. Nobody. Welcome to Sarajevo. Nikako u glavu ne ide. Znači ja ovdje sam za svoje 6 ljudi. Moram svakog 31. dati jel zdravstvo, neće mi ovjeriti knjižicu. Porez državi na plaća koja je 450 maraka i to moram. Eh bien, regardez la brasserie de Sarajevo. Ils doivent 14 millions aux impôts. Et c'est pas un problème. Qui autorise ça? Moi, je dois 50 euros, mes employés n'auraient pas de sécurité médicale. Et ce sont des magouilles. En plus, tout le monde est au courant. Tout le monde. Les citoyens de Bosnie-Herzégovine ne font qu'une chose. Ils migrent. Ils s'en vont. Ils partent vers l'Europe et la Croatie. Ou alors vers la Serbie. Il faut faire entendre la raison au peuple de Bosnie-Herzégovine. Mais il faut pouvoir ne plus voir en noir et blanc, arrêter de diaboliser, arrêter de diaboliser. Bon, eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé ce petit récit. Ou plutôt, ce n'était pas un récit, là, c'était une intervention sur quelque chose qui me touche. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. À bientôt sur ma chaîne. Au revoir.